Bonjour, ici Monsieur Kekaret. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc le deuxième épisode de Biomenace. Biomenace The Hidden Lab. Ah bah, qu'est-ce que c'est? C'est la suite de l'épisode 1 qu'on a vu hier. Donc, c'est parti pour une nouvelle aventure de l'agent Snake Logan. Logan Snake. Et non, ce n'est toujours pas l'héros de Metal Gear Solid, rien à voir. Allez, allons chasser les extraterrestres et le méchant Dr. Kane. Thank you.
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 We'll be right back.
Nous revoilà. Donc, comme vous avez pu voir, c'était le deuxième épisode de Biomenace. Donc, ça a été un petit peu long, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Donc, il restera un épisode, l'épisode 3. Je pense que ce sera pour demain, parce que voilà quoi. J'ai oublié de vous dire, donc, dans le premier épisode, je sais pas si vous avez remarqué, les petites boules grises, noires, qui se mettent en boule, là, et qui ont des dents, qui attaquent, là, l'espèce extraterrestre en boule, là. Et bien, en fait, c'était un clin d'œil au film Critters. Un film fantastique science-fiction qui sont sortis dans les années 90. Film d'horreur, un peu comme le Gremlins, mais Critters. Je pense que les créateurs de Biomenace ont dû voir ces films et leur faire un petit clin d'œil. Donc c'était un easter egg que personne n'a référencé sur internet, que je suis peut-être le seul à avoir remarqué l'illusion, mais c'était clairement des critères. Et je vous invite à regarder sur Wikipédia qu'est-ce que c'est des critères, ou à regarder la bande-annonce d'un des films. Enfin, c'est des films qui sont géniaux. Et c'est vraiment les monstres de critères qui sont mis dans le jeu vidéo Biomenace dans l'épisode 1. C'est un peu dommage qu'on ne les ait pas revus dans l'épisode 2. Enfin bref, voilà, c'était pas mal, mais donc on a vaincu une sorte de créature qui travaille pour le truc 15, je sais pas quoi là, et il va falloir affronter vraiment le vrai méchant dans l'épisode 3. Ça va être difficile, je pense. Allez, à bientôt et au revoir.